Salut tout le monde, c'est KazuGame et aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo tuto. Alors, lors du live, vous m'avez demandé de faire le tuto de ma farm à citrouille, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Twitch, le lien de ma chaîne Twitch apparaîtra maintenant. Donc les amis, c'est parti! Alors, pour cette petite farm, il faut simplement ces blocs-là. Donc, il nous faut de la glace compactée, des blocs. Moi, j'utilise de la pierre taillée, mais vous pouvez utiliser type de bloc que vous voulez, du bois, de la terre, de la pierre classique, enfin vraiment ce que vous voulez. Ensuite, un seau d'eau. Alors là, j'ai un seau vide parce que comme je suis en game mode, comme je suis en créatif, pour reprendre l'eau, il faut un seau vide en game mode. De la terre, de la poudre de redstone, de la pierre lumineuse, des pistons. Des observer blocks, donc là l'observer block c'est là que ça va être tout l'intérêt de la farm. Des portillons, un coffre et un entonnoir, voilà, enfin des entonnoirs. Donc du coup pour cette farm déjà on va prendre ça et ça. Alors ce qu'on va faire c'est que on va faire, alors je vais en faire une petite pour juste vous montrer hein, mais vous vous mettez au niveau que vous voulez, ça va dépendre de votre IS et trucs comme ça. Posez une ligne de pierre, enfin de glace. Donc comme ceci, voilà. Ensuite, on pose, on entoure de comment, de pierres taillées. Alors moi, je la pose sur le sol pour vous montrer, mais vous pouvez la mettre dans le sol directement. Hein. C'est vraiment juste pour vous montrer. Hein. Donc une fois fait, on remonte encore d'un niveau. Hop, voilà, comme ceci. Hop. Ensuite, on remonte encore d'un niveau. Voilà. Donc là, vous devriez avoir deux de haut à partir de la glace. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, on va juste faire ça, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre terre et vous allez la placer dessus comme ça, comme ça. Voilà, donc maintenant ça devrait donner ceci. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le système d'eau, parce que comme c'est une plantation de citrouilles, il faut que la terre soit irriguée. Donc là on va prendre notre petit seau d'eau. Voilà. On va prendre. Alors là, on va se mettre à côté du mur et on va placer un bloc là comme ça. Voilà. Tout simplement. Et on va faire une ligne comme ça et une ligne comme ceci. Voilà. Bon, là, on va fermer. Sinon, l'eau, elle va couler, hein. Voilà. Et là, on va faire pareil, hop, comme ça. Voilà, on ferme tout ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre rangée à côté ici, juste en face de la terre. En fait, on laisse un de vide et on fera pareil à côté. Voilà. Une fois que c'est fait, ça doit ressembler à ça. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre l'eau. Voilà, l'eau est mise. Alors, je suis conscient que c'est pas le modèle le plus économique qui soit, hein. C'est ma variante à moi. Il y a plusieurs variantes, plusieurs petites astuces pour économiser. Moi, voilà, je la fais comme ça. C'est ma propre ferme. C'est même pas un tuto que j'ai regardé, hein. C'est vraiment moi qui l'ai fait. J'avais mon ancien modèle de ferme que j'utilisais sur le Skyblock en 1.8. Avec le système de tour à torche. Et en fait, les tours à torche faisant laguer, j'ai utilisé d'utiliser les observer blocks et voilà. Et ça, c'est ma variante, quoi, tout simplement. Donc, maintenant, une fois qu'on a mis l'eau, on va faire le système pour tout ce qui est redstone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer comme ça. Voilà, ici. Et là, en fait. On va laisser un vide à chaque fois. Là, on laisse un vide, on pose un bloc. Un vide, on pose un bloc.
on pose un bloc, voilà. Tous les... On laisse toujours un de vide et on pose un bloc. Voilà, ici on ferme. Tac, tac, tac. Voilà, et là ici on fait pareil. On se remet bien en face et on fait exactement pareil, comme ceci. Voilà. Après, une fois qu'on a fait ça, voilà, on a notre, notre moule de fée en fait. Maintenant, on va faire la redstone. Donc, c'est ça l'avantage de la farm, c'est qu'elle est très économique niveau redstone. Donc là, on met juste une poudre, comme ça, dans les trous, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et là, on fait exactement la même chose ici. On met la poudre de redstone. Voilà. Là, votre système de redstone, il est fait, c'est tout. Maintenant, on va poser les pistons. Alors, pour les pistons, vous allez vous mettre en face de la redstone. Donc là, c'est un peu plus chiant. Voilà, vous allez vous mettre en face de la redstone. Bon, là, je suis en fly. Quand vous êtes en série, vous n'avez pas le fly, donc vous vous mettez là. Et là, vous visez en face, comme ça. Voilà. Bon, là, c'est la partie la plus chiante, on va dire. Bon, quand on a le fly, c'est un peu plus simple. Il suffit simplement de faire ça. Mais quand on n'a pas le fly, c'est vrai que c'est la partie la plus chiante. Et là, on met les pistons comme ça sur les poudres. Voilà, on fait pareil en face. On met les pistons comme ceci. Mais vraiment bien en face des poudres. Hein. Voilà. Ah non, je l'ai raté. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va mettre les observer blocks. Alors, les observer blocks, c'est pareil, c'est la partie chiante. Donc, si vous n'avez pas de fly, vous vous mettez dans les trous. Vous visez le côté du piston et vous la posez. Voilà. En fait, la flèche, elle doit indiquer... Mince. C'est vrai que je suis en créatif. La flèche, elle doit indiquer le côté du bloc, en fait. Donc, on fait pareil ici. Vous vous placez à côté et vous posez les observateurs. Alors, quand vous avez le fly, vous pouvez faire comme ça. Tac. 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 Voilà, enfin voilà, il suffit de faire ça sur les deux lignes. Voilà, donc du coup, une fois fini, ça devrait ressembler à ça. Donc les yeux doivent être de ce côté-là, et là, pareil, les observer blocks. Donc là, voilà, votre farm est pratiquement terminée. Ouais. Maintenant, il ne reste plus qu'à planter de la citrouille. Donc là, on va prendre une houe. Alors, on prend une houe. Et on va prendre des graines de citrouille. Graines de citrouille, voilà. Donc là, voilà, en fait, pour la houe, il faut que vous plantez en face de l'observer, en fait. Toujours. Comme ceci. Hop. Vous plantez... Enfin, vous mettez un coup de houe en face de l'observer bloc. Et... vous plantez vos graines de citrouille. Voilà, alors ça va activer les pistons. Faites attention. C'est normal, c'est parce qu'il détecte un changement en fait. Hop, voilà. On plante toutes nos graines. Voilà. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à laisser pousser. Ou alors vous mettez de la bonne mille. Et la farm est entre parenthèses terminée. Après, pour le système de récupération, alors il y a plusieurs variantes du système. Là ça va être vraiment à vous de choisir. Moi j'aime bien parce qu'en fait je fais plusieurs lignes, je vous montrerai. Mais voilà, il y a plusieurs façons pour la récupération. Alors moi je fais une récupération basique sur le skyblock parce qu'on a les sell chest. Mais après vous, si vous êtes sur un skyblock où il n'y a pas de sell chest ou c'est classique, bah vous faites un système de récupération en entonnoir classique avec des coffres, hein, y a rien de sorcier. Et pour l'eau, en fait, il faut simplement prendre des portillons. Alors, ça marche aussi avec des pancartes, mais les portillons, c'est mieux, en fait. Voilà, ça va. Les portillons, en fait, c'est mieux. Oui, ça commence déjà à pousser. Alors oui, alors comme pour le tuto, j'ai mis en tic de pouce élevé. Hein. Vous inquiétez pas, ça pousse pas aussi vite en vrai. Hein. Donc pour le système de récupération, vous mettez de l'eau au bout de votre ligne. Voilà. Et quand vous arrivez jusqu'à l'extension maximum de l'eau, donc qui est de 8 blocs, devant, vous mettez une barrière que vous ouvrez. Hop, que vous ouvrez. Et vous faites la même chose, pas au-dessus, mais à côté en décalé, juste au-dessus. Ici, comme ça, que vous ouvrez aussi. Et en fait, ça va nous permettre de faire ce que l'on appelle un courant infini. Donc là, hop, on met comme ça. Et là, on fait pareil. Hop,
on pose et on ouvre. Et là, on remet de l'eau juste au-dessus et voilà. Là, ici, comme on veut que les citrouilles... Après, là, ça va dépendre de ce que vous voulez que les citrouilles... Bon, si vous voulez que les citrouilles partent par là, vous mettez une barrière ici. Et du coup, ça change le courant. Et inversement, si vous voulez que vos citrouilles aillent par là, vous mettez ici. Voilà. Hop, on va aller jusqu'à la fin. Donc voilà, après vous reproduisez la même chose jusqu'à vos coffres et vos entonnoirs. Donc pourquoi je fais ça? Bah c'est pour que simplement vos citrouilles arrivent beaucoup plus vite aux entonnoirs, à votre zone de récupération. Voilà, tout simplement. Donc après si vous voulez, vous pouvez prolonger votre ferme à côté ou en hauteur. Donc pour faire à côté, c'est simple. En fait, vous faites tac tac. Hop, tac, tac, voilà. Là, ici, on va mettre une ligne de pierre en bas. Voilà, comme ceci, là, on peut fermer, tac, tac. Voilà, une fois que vous avez fait votre ligne en bas, vous faites ça, ça. Et là, vous posez votre terre à côté. Voilà, comme ceci. Oula, je vais trop vite. Voilà, ensuite on ferme ici. Hop, et on remet une ligne de pierre en dessous de la terre. Voilà, et on descend comme ça. Voilà, hop, on ferme tout ça. On ferme aussi derrière. Après, maintenant, vous pouvez stocker de l'or, tout ce que vous voulez, hein, ou alors simplement laisser vide. Pensez à torcher dedans si vous êtes en survie, parce que les monstres risquent de spawner. Ensuite, ici, on remet l'eau. Voilà, on remet l'eau et on remet les pistons et les observer blocks ici. Donc, pareil, en face de la poudre de redstone. Donc, faites attention parce que comme c'est alimenté. En fait, l'observer bloc, quand il va activer, il active la poudre et du coup la poudre va activer les deux pistons en fait, ici et ici, comme ça. Hop. Donc voilà, une fois fini, voilà, ça donne ça au milieu. Donc là après, au milieu ici, vous remettez votre glace. Hop, vous remettez le système de glace. Voilà, après vous refaites exactement comme vous avez fait ici. Et là, vous remontez un mur et vous refaites pareil une autre rangée. Puis là, vous pouvez prolonger comme ça à l'infini. Et voilà. Alors pour le dessus, en fait, il faut penser à éclairer. Donc là, on va faire ça. On va prendre la pierre lumineuse. Et on va mettre une pierre lumineuse tous les... Alors là, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, je la mets tous les trois blocs. Enfin, je laisse un observer vide et je mets. Pourquoi? Parce que pour avoir une bonne... illumination, un bon éclairage de la farm pour éviter que les monstres spawnent dessus déjà, et puis pour les citrouilles. Mais bon, ça c'est pas une obligation, c'est vraiment vous qui voyez, hein. Bon, alors voilà. Ensuite, je fais pareil en face. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, il suffit simplement de boucher. Donc voilà, ça doit donner à ça. Et là, si vous voulez refaire une farm au-dessus, et ben, il suffit simplement de faire ça. Ça, là on refout la terre ici comme ça. Hop, on remet la terre des deux côtés. Surtout pensez à laisser bien de haut, parce que maintenant avec les versions 1.13 on peut plus mettre la terre ici, parce que si on bloque là en fait, ben ça ne poussera plus. Ah bah si, là ça pousse, c'est bien ce qui me semblait. Vous voyez, j'ai tout bouché, j'ai tout mis de terre, vous voyez, ça ne pousse plus du tout. Ici ça pousse, mais là ça ne pousse plus. Ça c'est maintenant, ça c'est le problème de la 1.13. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser bien de haut pour la plantation. Hop. Donc là on fait comme ça, du coup on laisse bien de haut. Même en mettant un coup de houe, hein, j'ai testé tout ça et ça fonctionne plus depuis la 1.13. C'est une mise à jour, je sais pas si c'est une mise à jour qui fait ça ou si c'est normal, mais bon voilà. C'est comme ça. Là, on ferme comme ceci. Et là, on reproduit exactement la même chose. On fait tous les 1.
Non, on ferme ici. Voilà. Hop, on ferme tout ça. Là, on se met au milieu parce qu'il y aura deux lignes. Ensuite, on met l'eau. Voilà. On met le système d'eau. Là, on fait en bas, comme en bas, on fait, hop, on fait tac, 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 tac. Hop, comme ceci, pareil. Là, on met la poudre de redstone. Hop, ça, on en a plus besoin pour le moment. La poudre de redstone. Ensuite, on remet les pistons et ainsi de suite. Vous avez compris, je pense, le principe. Et donc, voilà une fois fini, en gros, ce que ça doit donner. Donc, voilà. Bon, là, ça va très vite parce que, comme j'ai dit, j'ai mis un random stick enfin élevé. Mais voilà, ça doit faire comme ça. Donc, vous voyez, le système d'eau, il active les citrouilles là. Hop, ici, je fais en sorte que le courant il va là. Et puis après, vous faites un système de récupération comme vous voulez. Donc, pensez à mettre une demi-dalle après l'entonnoir parce que tout simplement, vos citrouilles, sinon, ils vont aller sur le coffre et vous allez avoir des pertes. Alors, c'est très bien qu'on voit ça parce que vous voyez, en fait, il y a beaucoup de citrouilles qui restent sur les planches. En fait, du coup, on pourrait croire qu'il y a de la perte. En fait, bon, là, c'est parce qu'on a un random stick grave élevé. Et que du coup, bah, ça se stack beaucoup. Mais sur une ferme, on va dire classique, en fait, quand les citrouilles vont tomber, ça va, en fait, ça va aspirer ces citrouilles-là. Et puis, ils vont tous être absorbés ici. Bon, là, c'est parce que comme j'ai mis un random stick élevé, il se stack vraiment beaucoup trop vite. Et du coup, bah, ça n'a pas le temps. Mais sur une ferme classique, ça utilise ce principe-là, en fait. Les citrouilles restent bloquées. Mais quand une autre spawn à côté, qu'elle se fait enlever, enfin, qu'elle se fait pousser, elle absorbe l'autre et tombe, et ainsi de suite, et même ceux qui sont bloqués. Et c'est, voilà, ce qui fait que comparé à une farm à cactus, il y a beaucoup moins de pertes. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aidera à faire votre petite farm. Voilà, un petit système qui ne fait pas lag. Enfin, du moins, il doit faire lag au bout d'un moment quand il est vraiment immense. Mais pour un système, on va dire classique comparé aux anciennes farms, il n'y a carrément pas du tout de lag. Moi, sur mon île, si vous me suivez en live ou si vous me suivez sur mes vidéos, vous savez que ma farm à citrouille commence à être énorme. Alors, du coup, ça devrait faire lag et pourtant, je n'ai pas un peu de lag. Je suis à plus de 400 FPS, donc pas de soucis là. Donc, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça vous plaît. Aussi, à venir me suivre sur Twitch. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye, à bientôt.